Comment allez-vous? Ah, j'ai peut-être gueulé un peu fort. Bravo. Bon, bah, c'est le week-end, hein. Ce qui veut dire draft. Donc, bon, hier, j'ai pas pu, hein, parce que, bon, j'attends que le peuple arrive. Mais hier, j'ai pas pu. Donc, on va commencer. On va peut-être en faire deux dans la journée, je sais pas. Oh, yop! Yop, pas mal. Allez, on prend le yop. Il y a des initiatives, il y a tout ça. Ça, c'est pas mal. Une 5-6 pour 6, c'est pas mal. Ça peut être intéressant, mais ça c'est mieux, je trouve. Pour 2, en fait, pour 2, t'as une 3-3. Ça c'est pas mal, hein. J'aime bien ça. Et ça c'est pas mal aussi parce que si tu joues 3 cartes. Une 3-5 pour 3, ouais, 2 de Moby. Ça, pas fou. Enfin, ça, c'est un Nécrome. Ça, on peut le mettre en défense en fait. En défense, ça passe bien. Allez, ça, on y croit. Ça peut être pas ouf. Ça peut être pas mal. Ça peut être bien. Moi, je vois ça comme ça. Ça, c'est nul. Ça, c'est un peu random. Ça. Non, non. Ah, ça peut être bien, ça. La pioche, ça peut être intéressant. Deux pioches. Bon, j'ai pas de ghoul. En plus, j'en prends de dégâts, un autre en occasion de sa ligne, quand on pioche une carte. Ouais, ça coûte 6 quand même. Hein. Oula, c'est du Mylène Farmer ça. Ah, c'est une reprise. Allez, non, non, non. On va pas abuser non plus. Est-ce qu'on prend deux pioches? Je pense que ça peut être pas mal. Ça fait un combo. Ça fait un beau petit combo, ça, mais. Oh non, ça non plus. En même temps, ça. One more time. Allez, la playlist est nulle. Bon, allez, on change de playlist. Enfin, c'est re la même. Eh ben super. Allez, on va mettre ça. Ça c'est nul. Ça a deux, c'est pas incroyable. Hein. Je pense ça. Hein. Ça fait un beau petit combo. Hein. Alors, tant qu'il est en jeu, les cartes défaussées sont bannies. Ouais, bon, c'est pas incroyable. Échanger sa position avec une de vos invocations et un 3 d'attaque ou moins. Ouais, ça c'est pas mal. Ok. 4, c'est pas mal. Hein. Ah ouais. Skara. On a encore de la place hein, pour Skara. Ça c'est une 3-3 pour 5. Ouais, j'ai pas des grosses créas là. Ça. Après, il y a un petit combo pas mal, hein. On peut voler des games, je pense.
Tu prends ça dessus, t'échanges avec une créa qui est toujours dans mon camp, vu que ça a 4. Il met rien devant parce qu'il a. Il capte pas. Je pense qu'on peut voler des games, hein. J'y crois. Après, celle-là est pas mal aussi. Ouais, ça, c'est peut-être mieux que ça. C'est peut-être mieux, ouais. De la pioche? Oh! Ah oui, non. Non. Nul. Nul! Aux autres tofu, ouais, ça a 4. Hein. Confère de l'attaque, ouais. Ouais, d'accord, ok. Remontez dans votre main sans vous dans la question de votre camp. Est-ce que ça peut être bien ça? Ça peut. Des grosses créas buffées à fond. Ça peut être bien ça peut-être. Hein. Ça. Ça peut être aussi, ça peut être pas mal. Ça c'est nul. J'ai pas de tofu de façon. Qu'est-ce qu'on a? Le chacha contre Kras, c'est bien. Ça, évidemment, non. Ça, peut-être qu'il faut que j'en prenne un quand même. Hein. Putain, Rabbit Rabbit, j'en avais plein là. Celui qui buff les autres Rabbits. Ajoute un Rabbit dans votre main quand un Rabbit meurt. Non, ça c'est nul. Afflige en prendre des gants d'invocation. Oh, c'est pas ouf. Hein. J'ai pas d'autres rats. Ouais, mais ça c'est vraiment nul aussi. Hein. Ça a des ripop, hein. C'est un peu nul, hein. Mais bon, ça a des ripop, c'est peut-être le moins nul. Ça, pas mal. Moi, j'aime bien ça. Ça, c'est nul, ça, c'est nul. Nous remonte dans votre main tant qu'aucun de vos dofus n'a été détruit. C'est un peu un Mrs. Freeze, quoi. Ça peut être bien hein, pour choper une 4 PM bon. Mais là les deux sont pas mal, moi j'aime bien. Alors, celle-là peut-être pas. Parce que j'ai pas de heal, j'ai rien du tout. Je prendrais ça. Ça c'est pas mal aussi. Ouais, ça a que 2, ça a 4 points de vie. Peut-être pas ça. Après là il y a le combo avec la pioche. Hein. J'ai quand même pas mal de pioches. Hein. Ça c'est pas mal quand même. Il y a le truc que je peux faire charger. Je peux donner initiative aussi. Allez, bon là on est sur des. Ouais, on n'a pas une courbe incroyable. Ah, la rose, elle nous a servi la dernière fois, donc on va la reprendre. Ah, ça peut être intéressant. Est-ce que je veux Arachne? Ouais, là-dessus. Mais ça fait 3, 7, 10. C'est un combo à 10. Je fais charger tout le monde de 2. Bon, ça non, ça non.
fait, j'hésite entre ça et ça, mais ça, c'est. Bah, le hip-hop est bien, quoi. Et ça, je sais pas, je pense que. Après, je peux en goûter, genre. Ah non, je peux pas. Est-ce que je veux remonter quelque chose? Je pense pas. Et là, c'est quand même une 3-4, quoi. Ça, c'est un peu nul, quoi. Ça peut être bien. Hein. Sur. Ouais, ça peut être pas mal, ça. On est à combien là? 24 sur 45. Bon, encore de la pioche. Ça, c'est pas mal. Bon, ça non, ça non, ça c'est pas mal ça. Ça fait chier tout le monde ça. Virilité, plus d'attaque, un d'armure. Est-ce que j'aurais beaucoup de créatures? Pas forcément. J'en aurais allez, 3. Ça peut être pas mal quand même. J'ai combien de sorts là pour l'instant? Ah, j'ai déjà 5 sorts. C'est déjà pas mal, hein. On va peut-être pas prendre ça. Après, il y a encore de la pioche, hein. J'ai quand même pas mal de combos avec de la pioche finalement. J'ai. Merde. Ah non, je l'ai pas pris l'autre. Putain, j'arrête. Celle-là, foreur. Ah merde, j'ai que. Mais non, j'en ai d'autres. J'ai pas eu d'autres? Ou à chaque fois que je pioche. Non, j'ai que celle-là. Ah, l'autre, j'ai pas pris. Bah merde. Bon, j'ai toujours le nez qui coule, hein, vous l'avez entendu. On va peut-être pas alors. Après, c'est toujours bien de la pioche, hein. Et ça? Après, une 4-5 pour 4. Ah, mais j'ai pas de chacha. Enfin, j'ai cherché un petit. Oh, glé. Oh, glitch. Un glitch. Un glitch. Glé. Ça peut être pas mal aussi. Ah ouais, coucou la biscotte. Bah pour la draft, hein. Je vais avoir envie de faire une petite draft. Ça peut être bien aussi, ça. Ça peut être pas mal aussi, ça par contre. Oh non, mais ça. Ça va me faire chialer ces conneries, ça. Je ne sais pas. Ouais, parce que hier j'ai pas pu faire ma petite draft, alors on va la faire là. Je pense que ça est mieux que ça. Parce que ça, si je pioche ça en mid game, late game, c'est un peu triste. Ça, pas mal. Détruit tous les prismes adverses. Ah oui, ça a la mort, ok. Par carotte alliée. Ouais. Banni de la. Banni de la. Quoi? Bannir la carte partie dans la défaut de chaque joueur. J'ai pas envie de les faire piocher. Putain, faut que j'aille me moucher. Oh là là, la vache. Hey, mais tu vas être content la biscotte. Parce que. Attendez, tu sais pas pourquoi. Mais je vais te le dire. Parce que hier, pourquoi j'ai pas pu faire ma petite draft? Parce que j'ai pris rendez-vous chez Orange. Donc, j'ai pris la box fibre. Bon là, ça se voit pas parce que je l'ai pas installée.
Et le mec vient le 27. Donc on va noter ça sur notre agenda. Le 27, il vient pour poser la fibre. Donc j'aurai la fibre. Et en fait, je vais passer, du coup, parce que j'étais en ADSL. Donc je vais passer de 20 mégas à 500 mégas. Ouais, c'est ça. Hein. Bah, en fait, je fais x20. Oh là là. Je savais que ça allait poser problème. Hein. Là, vous voyez, on a déjà quelqu'un qui tombe dans les pommes. Bon. Moi, ça m'en. Voilà. Et en plus, j'ai changé de téléphone. J'ai pris le Xiaomi 12T. Voilà. Il m'a coûté 0 euros. Mais en contrepartie, je paye 36 euros d'abonnement téléphonique. C'est une énorme carotte. Mais c'est pas grave. Bon. Ça, c'est nul. Ça, c'est nul. En fait, j'hésite entre ces deux-là. Forzaker ou Foreur. Là, ça me fait piocher. C'est chiant. Mais j'ai pas envie de me défausser. Parce qu'en plus, j'ai pas mal de pioches. Donc, j'aurai pas la main vide. Et je pense qu'on va prendre Foreur. Ça reste une 5-5 pour 4. Ah merde, il m'en manque une. Ah bah j'ai pas pris. Ah si, j'ai déjà pris un Rocknoceroc. Eh bien, est-ce que j'en prends un deuxième? Non, 2 points de dégâts, c'est pas non plus la folie. Je pense qu'un petit mosquito, ça peut surprendre. Ça peut surprendre un mosquito. Ah, j'ai pas mal de sorts là quand même. Hein. J'ai 6 sorts. Après, j'en ai 3 de pioche. Donner inamovible à une invocation. Putain, c'est nul là. Foreur. J'ai envie de la prendre quand même, mais ça va grave me bloquer ça, je le sens. Après, ça a 3. Donc en fait, ça va me bloquer un tour. Deux tours. Ça va un peu me bloquer deux tours. Après, j'ai rien pour genre gérer les. Ouais, si j'ai ça. Moi, je pense qu'on repart là-dessus. Ça m'intéresse pas. Mais je vais pas prendre ça quand même. Après, ça a 4. Hein. J'ai des tofu. J'ai pas aucun tofu, je crois. J'ai vraiment aucun tofu. Ouais, c'est un peu la merde. Après, je prends ces deux-là. Et on prie pour avoir d'autres tofu. Oh, le petit Goultar. Ça, c'est pas mal, hein. Ça, on prend tout de suite. Ouais, je connaissais pas celui-là. Avoque un vous. Ouais, d'accord. Ça, c'est pas mal. Ah ouais, si tu as encore un adverse, soigne vos autres invocations de PV quand une de vos invocations meurt. Je sais pas, je connais pas cette musique. Résistance 2. Oula, il me manque des T4 là. Alors, je vais pas prendre ça. Ça, c'est nul. Soigne vos autres invocations de 2 PV quand une de vos invocations meurt. C'est une 1-4 pour 4. Donc, je pense qu'il faut prendre des gros trucs. Bon. Après, genre ça, du coup, ça fait une 3-4 pour 4. Ah, plus. Là, ça nous fait un 5 PM. Mais c'est une 1-1. Ah non, c'est une 3-1 pour 5 PM. En vrai, ça se tente, hein. Ça se tente. Moi, je valide là, ça se tente. Par contre, les mains sont. Les trucs sont pas incroyables. Est-ce que je reprends pas une? Ça peut être pas mal. Parce qu'en plus, attends. Récupère la carte, par contre, ça veut ça. Non, du coup, pas ça. C'est 5-5 pour 5, en plus, c'est nul. Ramasser un butin, ouais, d'accord. Oh là là, la catastrophe!
Ah, ça a 4, hein. Je crois que je vais miser tout sur les PM, hein. J'ai d'autres gligli? Je crois que j'en ai d'autres. Attendez. Le gligli, le gligli. Attends, j'ai pas de tofu. C'est dingue. J'ai pas de gligli. C'est la catastrophe. Ah si, ça. Bon. C'est la merde. Putain, la main, elle est nulle. Ça. Oh, j'en suis réduit à ça. Oh, alors. Le bon peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Ouais, j'en ai peut-être pas assez. Mais pas assez. Ça, c'est toujours bien. Ça, c'est toujours bien. Ah, bah j'ai déjà celui-là. Ouais. Est-ce que ça, c'est intéressant? Ça peut être intéressant. Ça peut sauver des games, ça, quand même. Là, il y a trop de bonnes cartes d'un coup! Attendez. 2 minutes. Ah, c'est pas ça que je voulais. C'est ça, et c'est. T'es toujours là, la biscotte, t'es pas vraiment tombé dans les pommes, du moins, sinon j'appelle le SAMU, hein. Bon. Ça peut être intéressant. Ça aussi. Ça peut être pas mal, hein. Après, est-ce que c'est incroyable? Je sais pas. Ça, c'est peut-être mieux. Mais entre ça et ça. Ouais, ça peut aller là-dessus et tout. Puis comme j'ai pas énormément de mobilité, ça peut être pas mal. Bon, je pense qu'on va faire ça. Allez, en attendant, vous savez très bien, parce que du coup, à chaque fois on galère pour trouver des matchs d'arène. On va faire un petit pédantix. Vous savez maintenant ce que ça veut dire. Non, c'est pas ça que je voulais, c'est ça. Ok. Qu'est-ce que tu veux, toi? Un petit. Eh non, on n'a pas fait Wordle. On va faire un petit Wordle. Non, on va d'abord faire Pédantix. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, bah j'ai trouvé. Bon, d'accord. Ok. Xelor. Xelorus. Allez, vas-y, balance la sauce. Bon, j'ai pas de bonne musique là. On va laisser ça, hein. Maxou. Bon, ok. C'est pas mal de. Là, ça va 3, 4, 5. Je pense qu'on va faire ça. Ça. On va les laisser s'affronter. Que si je rejoue, ça va faire un 50-50, c'est chiant. Ah bah non. Si, du coup, ça va quand même faire. Oh, ça, c'est pas mal, ça. Bah écoute, on va faire une petite. Hop. Là, on va le laisser entrer dedans. Ouais, du coup, il va falloir que je défende par contre.
On peut mettre ça, on est quoi pour 5? Tac, tac. Je pense que ça peut se faire. Oh, c'est quoi ça? Tant qu'il est en jeu, les prismes ne déclenchent pas leur effet. Ok. Oh, oh, c'est chiant. Mais ils déclenchent pas leur effet. Ah ouais? Donc là, je récupère pas? Ok. Bon, bah, c'est. Bon, après, c'est pas grave. En soi, c'est pas si grave. Il va faire quoi? Il peut pas lâcher de d'aiguille. Désynchronisation pour là, c'est quand même pas, c'est quand même beaucoup. Ok. Pas mal. Est-ce qu'il va utiliser les 7? Ok. Ça a 2 ça? Ah, ça a 2 là, c'est chiant. Je pense que je vais faire ça. Bon, du coup, j'ai perdu tout mon premier setup, mais c'est pas grave. Enfin, tout mon premier reset. Ça, je l'ai jamais eu celle-là, mais. Sur Xelor, c'est pas mal, hein. Là, je peux pas la gérer. Ouais, ça va être compliqué, je le sens. Là. Ça, on peut la garder pour après. Alors ça, je peux les mettre en défense. Donc ça sert à rien qu'on fasse ça. On va jouer une curve, hein. Bon, on va pas jouer ça, évidemment, mais. Donc là, bon, il va faire ça. Alors, il va rien faire. Est-ce qu'il a oublié et il va jouer là, ce trou de balle? Non, quand même pas. On n'est pas sur un niveau de débilité aussi haut, quand même. Si? Non, il va juste jouer là. Il va perdre un prisme. Et voilà. Mrs. Freeze! Ah, c'est chiant ça. Ah, il perd deux prismes, ok. Écoute, on va faire ça. Et on va faire. Sais pas du tout si c'était une bonne idée. Je pense que c'était un peu un play naze. Mais bon, ça va me permettre de setup peut-être un mosquito. Là, il peut. Eh, hey, il peut pas jouer là. Du coup, ça va mourir et ça va taper. Mais je réfléchis à ça bien après. Ou alors, il faut qu'il mette un spell. Et ça le force à jouer une aiguille ou des synchronisations, quoi. Un gros truc. Ah, par contre, j'ai joué ça après, mais quel abruti je suis par contre. Oh, Maxime. 5 et 3. Ok. Ok. Oula, t'énerve pas, Bézo, t'énerve pas. Ah ouais? Mais comment ça, il charge à fond le mid là? Qu'est-ce qu'il a fait? J'ai pas compris. Bon, lui, du coup, il y va. Ça, on va pouvoir le remonter dans sa main. Sans problème. Je pense qu'on va faire ça. Maintenant, ça sert à rien ce que je fais. Si je vais faire ça,
pour que lui il se mette là et que je puisse jouer un autre truc derrière. Ouais. Il faut que je joue qu'une seule carte par contre. On va peut-être jouer ça. Et on passe, et comme ça lui il meurt pas, et lui il va pouvoir. Bon, ça c'est chiant, après au pire ça peut aller là. Bon, ça il perd au moins 4. Ah oui, ça charge. Non, mais là ça fait. Ah. Il va aller là, il va atterrir là. Ouais, d'accord. Ah non! Ah oui, oula, j'ai eu peur. Un 3 d'attaque au moins. Est-ce que je fais ça? Et ça fait quoi? Remonte la rotation adverse dans votre main. De son propriétaire dans la rotation sur votre camp. Je pense qu'on va faire ça. Et ça. Ok, ça c'est un faux, c'est pas mal. J'ai des trucs avec 4 de mobilité. Bon, là j'ai que des trucs à 2 évidemment. J'ai pas encore chopé ma pioche. Ah, il rejoue là, mid. Ok. Un peu un enfer, mais bon. On y va. Écoute, on va jouer ça. Et ça. Ah, j'avais un autre chauffeur. On va faire quoi? On va faire ça. Ouais, je sais pas trop ce que je fais. Et puis bah ça. Hein. On y va et c'est parti mon ami. Et c'est que le premier match. Je sais pas, lui je le sens pas ouf ce deck hein, quand même. On va faire un petit pédantix en même temps. Bah lui, on va le booster aussi. Ah, ça va être relou. Ah ouais, il y a lui aussi. Oh, ça c'est pas mal du tout cette histoire-là. Oh, j'ai eu peur, j'ai cru que j'avais mal compté. On est bon. Là, on est pas mal là. Là, on est pas mal du tout là. Bon, ils ont pas beaucoup de points de vie, hein. 2, bon, lui va mourir. 3. Mais au moins on gère les créas quoi. Il y a une... Bon après ouais, il y a 2, 2. Ok. Bon c'est bien, ça le fait utiliser des trucs aussi. Ok. Pourquoi il a chopé? Ah oui. Bien vu. Ça je peux pas dans le camp adverse. Non, ça sert à rien. Je vais pas jouer là. On va faire ça. On va faire ça. Ça sert à rien, mais c'est marrant. C'est pas hyper marrant non plus, mais ok. Ok. Bon, là, on en a 2 d'avance sur lui. Bon, s'il gère ça, c'est chiant.
Ah, par contre, ça, du coup, ça peut être pas mal. Attends, c'est quoi? Inflige un point de dégâts de plus adverse quand vous volez ou détruisez un prisme adverse. Là, ça, c'est pas mal du tout parce que lui, il va aller au bout, du coup. Dans le camp adverse, hein, ouais. Voilà. Ah merde, il a que deux. Bon, il va devoir remettre quelque chose. Et si ça a que deux. Non, bon, ça a pas que deux. Détruisez une graine, ok, d'accord. Bon, là, il a... Oh! Ah merde, je peux acheter qu'une carte. Bon, c'est pas grave. Je joue beaucoup de cartes, mais il a plus de cartes non plus. Ça, on va attendre. Bon, ça trade, ok. Ça trade. Et puis lui, pourquoi je l'ai mis là? C'était juste pour choper le fléau, mais... Bon, il retourne dans mon deck, ok. Il y en a trois là. Trois mots. Oh, c'est une petite page. Macédoine du Nord. Bon, ok, c'est un pays. C'est du Nord. Qu'est-ce qu'il y a du Nord? C'est Macédoine du Nord. Infliger un point de dégâts aux invocations qui blessent aux invocations. Non, ok, bon, d'accord. Bon, on va rien jouer. Infliger. Peut-être je fais ça. Et tour prochain, je pioche, donc un point. Enfin, il peut rien mettre devant, quoi. Peut-être c'est un faux, mais il peut rien mettre devant en tout cas. Bon, il met quelque chose devant quand même, il est un peu con. Parce qu'en fait, il va piocher. Attends. Ah putain, Zoos, invocation de sa ligne. Lecture Man, bonjour. Ah, du coup, lui, il va aussi mourir. Afflige 2 points de dégâts aux invocations adverses. Là, je fais ça. Ah non, mais tour prochain il meurt lui, donc ça sert à rien. On va le laisser comme ça. Bon, là, s'il me l'a laissé, c'est que c'est un faux. Ok, bon, les deux sont là, d'accord. Okay. Bon, lui, il va être chiant à gérer. Bon, là en plus il n'y a plus d'alliés devant moi, donc là il va prendre un maximum de dégâts. Ok. Je peux pas lui mettre des dégâts à lui, ça c'est dommage. Je pense qu'on fait ça. En vrai. C'est peut-être un peu cher payé, mais. Ah oui, il a que un lui. Oh. Oh la cata. Bon, après lui, il va là, tour prochain, c'est bon. Ok. Ah ouais. Ok. Et ça fait quoi? Place de ratin avant de te croquer, donc ça pioche une carte. Oh bah attends, il a deux. Je pense que je vais faire ça. Lui, il faut qu'il ait un contre-coup parce que sinon, on va jamais y arriver. Et ben, on va laisser ça comme ça. Hop, ça meurt. Ça meurt. Du coup, c'est une 5 à 2. Bon, je pense qu'on a gagné, hein, les gars. Hein. Le premier match. Ah oui, grosse bête. Grosse bête, grosse bête. Bon, là, ça va là-bas. Je vais pas piocher maintenant. Je vais pas piocher maintenant. On va rien faire. On va attendre d'être en sous-nombre. Après, lui, il a plus que deux cartes. Hein. Donc, continuer de mettre la pression, c'est bien aussi. Bon, en fait, j'aurais juste pu faire ça, ça, ça. Et je gagnais, putain, j'ai mis l'étal. Bon.
Ça reste une victoire tout de même. 21 tours quand même, hein. Pas le meilleur des matchs. Alors, évidemment, Boxing Dor. Bon, c'est pas du tout du Nord. Du? Ah, c'est pas du en fait. Là. En. Le nana oh en qu'est-ce que ça peut être en deux lettres? Le nana du en j'ai mis en un c'est pas un. Le nanana, je vous présente aujourd'hui le nanana. Bah du nanana. Le nanana. Bah non, c'est pas du de toute façon. Le nanana. O. Bah on va essayer O, mais non. O ça va avec A normalement. Le nanana. Ou. Je sais pas, faut pas être ou. Et. C'est pas le i. Ah bah, oh, j'ai trouvé. Mosquito, ça dégage, Joe. Ah, c'est cra. Bon, on va garder ça alors. Attendez, ça me met le doute là. Qu'est-ce qu'il y a en. En i. Où? Comment ça? Mais c'est quoi ces lettres en deux là? Ce? Ça va être ce. It's complicated. Hein. Ah, le Goultal. Goultal, ça peut être pas mal ça. Contre Kra. Ah non, mais initiative contre Kra, ça pue la merde. De toute façon, on va le laisser jouer. Hein. C'est lui qui va. Ok. D'accord. Bon, on va rien jouer. Si, peut-être. Non, c'est se mettre dans le caca si on joue. Parce que il a pas autant de sorts normalement. Que dans un deck construit. Donc il n'a pas de sort de gestion. Ouh. Et ben là pour le coup ça rend très bien ça. Ça faut le jouer dès le début. Hein. Parce qu'après il sert plus à rien. Ah ouais, il commence comme ça. Merde. Bon, il va juste se trade. On va piocher. Ah ça c'est pas mal ça. Bon ça j'ai vraiment que. Ah mais du coup ça se booste entre eux. Ça c'est pas mal ça. Tour 6, tour 7. Tour 6. On cherche pas à comprendre. Tour 6, tour 7. Ah oui, par contre, peut-être tour 6, tour 6. Comme ça, il repioche pas. Attendez, si il va pas repiocher. Donc, je vais rester à 4. Tac, après je fais ça là-dessus. Ça trade. Oh. Oh la chatte. Puis du coup, il a repioché. Bon, et bah. Ça ne marche pas du tout ce que je voulais faire. Je fais genre ça. C'est un peu cher payé. Clairement. Bah non, on va faire ça en fait quoi. C'est nettement mieux mon copain. Comme ça, on trade tout le monde. Lui, il remonte dans ma main. Bim. Oh, j'ai l'impression d'avoir une voix de merde. C'est parce que j'ai le débouché, hein. De toute façon, quelle idée de stream un dimanche matin aussi. Sûr qu'il n'y en a personne.
Qu'est-ce qu'il fait celui-là là? Ah non non non, faut pas qu'il meure hein. Allez, viens là mon petit bézo. Évidemment que toi, on va te rejouer. En plus du coup, plus un PM. Oh ouais, j'avais pas pensé à ça, j'aurais dû jouer ça. Ça ou ça. Prochain tour, bim. Bam. Boum. Lui, il va pas pouvoir le gérer. Oh. Je m'en fous, j'utilise ça. On va pas transformer ça en buisson. Vous êtes zinzin, quoi, là. Eh, mais attends, toi, t'es à 5. Ouh, là, t'as trop de pression, mon gars. Comment tu vas gérer cette pression monumentale? Bon, il a réussi à la gérer. On va faire ça parce que je peux pas me permettre de perdre ça n'importe comment, quoi. Par contre, je pense qu'on va faire clairement ça. On va full bourrer, là. Parce que là, c'est pareil. Là, il est à 5. Il y a lui. Il se fait attaquer, lui il se fait attaquer, lui il se fait attaquer. Bon, lui il va juste trade. On est pas mal. Comment tu vas gérer tout ça? Bon, par contre, ce que je vais jouer là ne va pas bénéficier de ça. Parce que prochain tour, ça défonce le Dofus. Un petit gligri? Ok. Si tu veux. Ok. Ah ouais, tu le défends celui-là. Après, ça remonte dans ma main. Putain, lui, il aurait été value de ouf. Ok. Ah ouais, lui, bah ouais. J'aurais dû le stop celui-là. Je peux pas le stopper. Stop it now. On va faire ça à fond et on va faire. Et on va faire ça, hein, je crois. Non, bah non, on va rejouer ça, mon gars. On va faire. On va faire ça. On va le mettre là. Sinon, c'est lui qui va avoir le reset et je vais perdre. Je vais trop perdre. Bon, c'est un faux. C'est. Ah oui, ça, c'est chiant, par contre. J'aurais dû faire ça, Maxime. T'es con comme une pelle. Parce que là, ça va être une 4-4. Alors, on peut faire ça après. Je récupère le dernier sort. Non, 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 non. C'est quoi ton dernier sort? 2, ok. C'est pas le truc le plus ouf non plus, mais. Oh! Ah non, attends. Merde. Écoute, on va faire ça. Est-ce que c'est intéressant ce que je fais là? Je crois pas. On va faire ça. Et on va faire ça. Ok. Et on va faire ça. Non, ça. Je sais pas ce que je fous là. Et là, ça va full bourre. C'est coup de grâce. Ah, il va pouvoir le gérer lui. Ouais. Ça, c'est un peu chiant. Parce que du coup, il récupère. Ouais. Bon, c'est pas un truc de ouf qu'il récupère, mais quand même. Ok. C'est apparition. Ah non, fin de tour. Ah bah oui, lui du coup il est là. Je lui ai rien mis devant. Faut qu'on gère la 4-4. Ben, en blanc.
Ça sera le seul combo que je pourrais faire de toute façon. Bon, lui, il remonte dans la main. Putain, il a géré au moins 4 créas, là, je crois. Là, il y a lui. Mais s'il joue quelque chose, lui, ça décale. Après, comment je vais gérer lui, ça, c'est autre chose. C'est une autre histoire. Sortie de la mer, c'est une autre histoire. Allez, qu'est-ce que tu vas faire? Si tu fais rien, lui il tape. Lui il meurt. Si tu joues une créa pour défendre là, tac tac, faut que t'en joues deux quoi, et que ça fasse tac tac. Ce qui est risqué. Oula! Non, ou alors, t'en fais une, elle va là. T'en joues une autre là, elle retourne là. Non, elle retourne là. Donc tu fais rien. Ok, bon, elle va être insupportable. Ah oui, et du coup, tu récupères ça à chaque fois. Ah oui. Ah là, c'est la cata. Par contre, comment je vais gérer ce caca là? Et bah voilà. Là, on est sur une belle petite pioche comme on les aime. C'est bon, t'as récupéré deux spells. Mollo, l'asticot. Là, en plus, je vais avoir un petit reset pas dégueu. J'ai pas eu ma pioche, donc on va peut-être attendre avant de jouer ça. Et là, on va attendre aussi. Hop, lui, il remonte dans mon deck. Là, tu te fais attaquer de part et d'autre du chemin. Ça veut rien dire ce que je dis, mais bon. Ah oui, il récupère. Ah oui, bon, là, on a plus. Là, c'est bon. Ah, c'est bien. Déjà, j'ai un petit reset. Sachant que j'ai un Dofus d'avance. Hein. Ok, bon, là, ça va trade. Il va falloir que je m'occupe de ça quand même. Alors, attends. On va faire ça. Lui, il va où? Lui, il va là. Donc, on va faire ça. Ça marche pas comme détruit évidemment. Lui il va aller là. Par contre s'il a une petite glaie, là ça va là. Et il pioche. Après lui il se fait attaquer. Hein. Et là, quand un prisme est ramassé ou détruit, un transforme, pas détruit. Lecture Man n'est pas si bête. Léger, léger. Allez, vas-y, mon gars. Ah. Ça m'arrange pas des masses. Oh, la catastrophe. Ah non, mais je vais faire ça. On va faire ça, parce que ça va être chiant à gérer, sinon. Et ça, on va le mettre là. Hop. Hop. On va pas piocher tout de suite. Mais je serai jamais en son nombre. Attends, je suis pas en son nombre là. 1, 2, 3, 4, 5, 4. Je pense qu'on fait ça. Ça. Lui, il va remonter de toute façon. Hop. Tac. On va le remettre là. Ça meurt. Ça meurt. Ok. Ça, il va pas pouvoir le gérer. À part s'il a détruit une. Kra, c'est risqué hein, prendre parce que il y a beaucoup de spells Kra qui sont en fonction des créatures Kra. Bon, on n'en a pas beaucoup. Ça joue un peu Mulou, d'accord. Il a une vraie strat Mulou par contre lui. Hein. Bon là par contre. Et là, c'était pas A. Il y a une lettre et c'était pas A. C'est bizarre. T'as fait quoi là? Ah, récupère le dernier sort. T'as récupéré quoi? Ah ouais. Ah oui, il a des grosses pelles là par contre. Tac, tac.
je lui donne vraiment un bon truc là, Ragnarok là. Pas Ragnarok, mais vous avez compris. Ça faut que je le joue par contre. Et ben on va le jouer là, comme ça lui il va reprendre plus 1. Je sais pas, on va en jouer un. Là il le défend pas mal celui-là donc. On n'est pas si mal hein. Bon là ça va trade hein. Là c'est bon. Là il attaque hein. Et en plus il y a une bombe. Faut qu'il sacrifie quelqu'un. Ok. Bon, il se défend bien. Hein. Clairement, il se défend bien. Ah, le petit bouclier là. Ça ne me fait pas plaisir. Attends, ouais, bon, de toute façon, je pense qu'on va faire ça, c'est pas très grave. On va le mettre là. On va piocher. Ah, oh bah oui, du coup, il repioche, c'est pas mal. Bon, c'est pas la folie, hein, ce que je viens de faire. Mais bon. Ah ouais, il se défend pas mal, il a beaucoup de cartes aussi, hein. Moi j'ai que un Fodofus. Mais non. Ah par contre ça peut être pas mal. Ah non mais ça va mourir. Ça va mourir. Il n'y aura plus que lui du coup. Ah ça peut être pas mal. Parce qu'attends, lui il va taper là. Lui. Ah non mais lui il va là. Oh. Là je suis pas bien là. Hein. En plus, il faudrait que je joue là. Mais lui, il va aller là. C'est pas foufou ce que j'ai là. Ah. Attends, il a combien lui? Ouais, on va faire ça. Et ça, on va le remonter dans la main quand tu seras là. Et on va faire ça. Et on va faire ça. Comme ça, je perds pas de. Alors là, j'en perds qu'un, quoi. Non, j'en perds zéro. Pas mal. Pas mal, pas mal. Du coup, je récupère deux fléaux. Ok. Bon, là, il l'a joué au moins 4 fois celui-là, mais d'accord. Lui va être énorme, mais c'est pas grave parce que dans 2 tours, il va remonter. Ça, c'est quoi? Avant-Karatu. Ok. Bah, on va faire. On va faire ça. Et on va faire ça. Bon, lui, ça serait 4-2. C'est pas bien gênant. Lui, s'il peut remonter dans mon paquet. 14-16. Pas du tout. Pas 14-16. 21-16. Là, il a pas dévoilé. Donc, il en a qu'un. Donc, il peut le faire là-dessus ou là-dessus. Ok. Vas-y, mon gars. C'est pas grave. On va faire ça. Hop, allez mon gars, toi tu vas remonter chez ta mère. Ah, ça je l'avais pas calculé par contre. Ah mais lui vu qu'il va partir, c'est bon. Et en plus je récupère un petit prisme en passage. Donc ça c'est pas mal. Par contre, il a 10 cartes. Un peu insupportable le gars.
Par contre, là, lui, il va pouvoir aller ici. Il va mourir, donc ça, c'est chiant. Plutôt faire ça. Il le remet. Ah, ok. Et lui, il est revenu au moins 5 fois. Hein. C'est incroyable. Allez, c'est pas grave. Donc toi, tu vas revenir. Hop. Incroyable. Tu vas mourir, hein, tu sais. Hein. Faudrait que je joue là, deux petits trucs. Ça, je peux peut-être le jouer là. Bon, ça coûte 5 quand même. Parce que là, ouais, il va peut-être mourir. Mais s'il meurt pas, par contre, c'est pas mal. Sachant que je peux faire ça, tour d'après. Hein. Même si, ouais. Quel est le mieux, je ne sais pas. J'ai pas utilisé mon chauffeur encore, donc on va pouvoir l'attendre celui-là. Celui-là, j'ai pas trop d'occasion de le faire. Pardon? Ah ouais! Bon, là, t'as plus que 3. Ok, bah, c'est chiant ça, du coup. Bon, du coup, les deux meurent. Ça, c'est... Ah non, mais lui, il va avoir ça. Donc il va pas mourir. Oh lolo, merci bien. Merci mon copain. On va faire ça. Et on va faire ça. Lui, de toute façon, il va revenir. Donc... Ah non, il va pas revenir, il revient plus. Non, il y a un fléau. Ah bon, c'est pas grave. C'était. Oh là, lui, par contre, il trace ça en plus. Il a combien de. Ouais, il a 3. Ah merde, celui-là je l'avais pas calculé par contre. Donc bon, bah il va mourir. Il aura bien servi sa patrie. Enfin, il va mourir dans le vent par contre. Parce que lui il va faire 4. Donc, bon. Ça ne m'arrange pas des masses. Et là, ça m'arrange pas non plus. Là, faudrait qu'il mette quelque chose. Parce que ça m'arrange pas d'avoir dépensé autant de fléaux pour que finalement il le trade tout seul, quoi. Bon, et bah ça va être ça, je pense. C'est quoi? Tant qu'elle est en jeu, les autres invocations sont à... Oh, merci! Ah bah non, pas merci. Bon, ça change rien du tout. Et il met rien là en plus. C'est génial. Vraiment incroyable. Bah non, non, bah... Putain, on va être obligé de faire ça, là. Non, on va faire ça. Pour qu'il le. Ça sert à rien d'avoir fait ça, Maxime. T'es con comme une chaise. Ok. Bon. Je récupère deux fléaux. Ce qui me. On arrive à 4. Oh là, c'est pas ça que je voulais faire. Moi. Je suis déjà à 1 heure là? 1 heure. Voilà. Qu'est-ce que t'as fait là, mon copain? Par invocation ennemie en jeu. Ah ouais. Ok. Oh. Ah, ça c'est pas cool. Tra, je suis pas bien là en fait. Parce que du coup, dans 3. Est-ce qu'il va taper forcément sur celui-là? Dans. Ouais. C'est la merde. Peut-être piocher. Oh, le chauffeur qui arrive juste après. La cata. Faut juste que je récupère ce fléau là. Et il manquera un fléau, mais j'ai le Don Rascasse là. Ah non, ça détruit, ça récupère pas. Parce que lui, je crois qu'il a plus de fléau, donc il en a 2, donc il lui en manque un aussi. Ah, ça c'est chiant.
Parce que là, du coup. Après, il a plus que 4 cartes. Hein. Ok. Ouais, bon, là, ça sert à rien. Alors. Réfléchissons bien. Ça, on peut le mettre là. J'aurais dû le mettre là. Non, ça changeait rien. Voilà. Allez, tous les trois, allez-y. Par contre, lui. Attends, je peux faire ça. Parce que ça, c'est pas dégueu. Et ça, si je mets là, il gagne plus 3, plus 3. Je sais pas pourquoi je veux à tout prix que ce soit lui qui l'ait, mais c'est pas grave. Ah, mais là, c'est que c'est les deux vrais, là, ici. Là, c'est. Putain, c'est vraiment une 4-2, quoi. Et la meurt aussi. Ouais, d'accord. Ok. Ouais, cra, j'aime pas ça. Mais là, il manque juste un putain de fléau. Et puis, je suis pas sûr d'avoir le bon en plus. Ça, c'est la cata, ça. Ouais, et puis là, il va pas le jouer, celui-là. Ouais, là, c'est la merde, hein. Contre Kra. Après j'ai mal joué je pense. Parce que là tous les fléaux que j'ai mis là-dessus. Faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle. Lequel il défend? Celui-là, hein. Ah, j'ai perdu. Ça casse les couilles. J'ai peut-être pas perdu. Bah si, parce qu'il lui faut. Non, j'ai peut-être pas perdu. En tout cas, on la colle celui-là. Hein. Si je chope une créa qui a. Non, bah non. Non, parce que lui, tour d'après, il gagne en fait. Donc là c'est perdu. C'est perdamente. C'est quoi ça? Réduisez de 1 à 1. Ok, d'accord. Ok. Parce que là. Putain, je chie dans la colle. Ah mais là, de toute façon, que ce soit l'un ou l'autre, j'ai envie de te dire. Kif kif bourrico. À un près, bah j'ai mal joué, c'est ma faute. C'est clairement ma faute. Ouais. Ah, ouais, ah non! Est-ce qu'il va taper là? Il va se transformer là? Oh attendez. Oh attendez la dingue. Attendez, attendez, je crois que je suis sur une dinguerie là. Ouais, non mais tu fais ce que tu veux mon copain. Là, il se transforme et il bouge plus. Et j'ai gagné mon copain! C'est un vrai, hein. Oh là là! Oh la chatte! Oh la chatte, la chatte, la chatte! Alors celui-là. Ah celui-là, oh là là, puis on réussit plein de trucs. Bon, je reviens dans 5 minutes. Trouvez-moi ça, je reviens.
Alors, on relance. Bon, alors là, on sait pas. On va mettre être. Le nanana. C'est chelou. Est un. Rotation automatique, j'ai jamais demandé de rotation automatique. Arrêtez de mentir. Il a été du. Attendez, est-ce qu'il y a un petit pays qui traîne quelque part? Non. Un petit sport? Non. En un. Bah c'est chelou ça. C'est genre J quelque chose. Si. Ce. À 7. Qui? Le. Contre Sadida. Ça on peut virer. On va virer ça aussi. Attendez, je vais mettre des génériques de dessins animés. Alors, petit Grinch, peut-être pas tout de suite. Non, pas des années 80, abusez pas non plus. C'est quoi? Ben c'est des années 80 ça. Bon, 80-90. Allez, on va faire un petit blind test. Enfin, on. Je. Du coup, je suis un peu nul. Je connais pas. L'heure du Grand Pacifique. Goldorak? Pas du tout. Côte ouest? Mec, j'ai jamais entendu ce nom. C'est nul. Évidemment. Je l'ai vu, donc je peux pas le dire. On va le laisser. Non, j'ai jamais eu celle-là encore. Trop bien. Tour combien? Ah oui, tour 4. Ah il a... Ok. Il va piocher, ça va se trade tout seul. Peut jouer à un fléau. C'était quand même bien dur. Mais c'est même pas le Dragon Ball Z. Quoi, tu m'entends très mal? Qu'est-ce que tu dis? T'entends mal quoi? Ma voix, ma sublime voix? Bon, je vais être obligé de faire ça. Oh, j'aurais pu faire ça. Oh, le nul. Mais qui? Non, mais tout le monde me dit qu'ils m'entendent bien et que toi, tu m'entends pas. Je pense que tu dis n'importe quoi. On va pas se mentir. T'entends pas moi ou la musique? Merde, c'est quoi ce que je voulais?
Transformer de vos graines en poupée folle. Ah, ça m'arrange pas. Et si je fais ça, il devient énorme. Je sais pas si c'est bien. Je pense que c'est nul ce que j'ai fait. Mais c'est pas grave, on va tester ça quand même. Et le premier Dofus qui est arrivé. Tu joues à quoi? Ah, t'es toujours sur. Attends, dis rien. T'étais sur God of War? Ah, putain, c'est vrai ça. Je regardais tous les samedis chez ma grand-mère. Voilà. Vous voulez tout savoir? Eh ben voilà. Barbapapa. Quoi, ça te rappelle ta jeunesse? Ah non, wow, oh, putain, je croyais que c'était genre waouh! Non, sur WoW, ok. Tu joues quoi sur WoW? Quelle classe? Putain, j'ai joué, mais un petit peu, pas beaucoup. Je jouais quoi moi? Shaman, je crois. J'ai vraiment pas joué longtemps, on va pas se mentir. Bon, en fait, c'est un peu de la merde. Hein. Ah, Gunver, un dinosaure, quand même. What? C'est quoi ça? 3 paires à votre réserve. Ah, ok, d'accord. Chasseur elfe. Côté alliance. Bien. C'est un peu nul, attends. On va changer ça tout de suite par contre. Ah, oh, mon reset il pue la merde. Mais ça va. Non, il est mieux que le sien. Il est mieux que le sien quand même. Ok. Parce que moi du coup j'ai une pioche. Lui il a deux prismes. Bon, ça sert pas à grand chose. Alors, dinosaure. Oh la chatte, la chatte, la chatte. Bon ça va. Bon ça va être chiant à gérer ça. Bon ça va, ça devrait aller en fait. On fait quoi? On fait ça. Ça. Par contre je suis à 10 là. Non, je suis à 9. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Non, c'est quand même nul. Qu'est-ce que je peux mettre? Quiz Disney? Quiz, à quel point es-tu en forme? Vas-y, on va tester. C'est quoi ça? Quel point es-tu en forme? Ah, mais c'est des épisodes. Rien à voir. Tais-toi. Ouais, je te dis. Allez. Ah, les chansons de Noël! Non, pas les chansons de Noël. Faut que je trouve un truc en rapport. Mais non, avec Halloween! Attendez, on va faire les trucs avec Halloween. Bougez pas, j'arrive. Ah, il a tué tout le monde là. Ça m'arrange très peu ça. Ah merde, qu'est-ce que je peux mettre là? On va peut-être plutôt faire ça.
Par contre, lui, comment je le gère? Bon, là, faut que je top deck pour elle après. Bon, ça m'énerve. Les chansons d'Halloween, on va mettre. Halloween, qu'est-ce que t'as fait toi? Ajoute une graine. Salut Raphaël, comment vas-tu? T'as raté les deux premiers matchs incroyables. Avec un deck pas si incroyable. Bah, chanson Halloween, y a pas là ou quoi là? Bah écoute, va bien. Ouais, donc lui ça meurt. Ok, lui, ah bah ça en défense c'est pas mal. Mais je vais le jouer à la fin du coup. Attends, parce que là, si je fais ça, attends, je peux même faire ça. Ça. J'ai pas envie qu'il récupère. Ah mais là par contre, ouais, on va faire ça. Chanson pour Halloween. Chanson Halloween. Voilà. Voilà, parce qu'on arrive bientôt 31, hein. Dans 2 semaines, hein. Ah bah oui, c'était ça. Effectivement. Bien vu. Bien vu l'aveugle. Ah merde, lui, il est chiant là. Oh. Bah, je suis obligé de faire ça, hein. Fait pas plaisir, mais bon, il a plus que 3 cartes, hein. Et ça, on va faire ça, histoire qu'ils mettent pas quelque chose sur le buisson. Ah, on peut même faire ça pour mettre une 2-2. Ah, puis comme ça, elle avance et le buisson il est mort. On est chaud. On est chaud patate là. Est-ce que t'es impressionné, Raph, par autant de talent? Parce que je trouve quand même que bah, on est impressionnant. Là, on a gagné 2 matchs. Bon, on a gagné 2 matchs. C'était sur la corde, on va dire quoi. On va piocher. Paf! Ça, c'est pas mal aussi, ça. Bon, là, ça sert à rien, mais ça va. Il y a beaucoup de créa, donc ça va être pas mal. On joue tout ce qu'on a. Hein. Par contre, je me rappelais plus avoir ça, mais pourquoi pas. Comme ça, voilà, lui il meurt pas. Là, il se fait attaquer sur 4 lanes. Bon, il n'y a pas d'autre musique là. Ah, t'es trop impressionné. Bah ouais. Alors, ta ta ta. Ah, puis vous dites que je suis impressionnant, quoi. Bah, je comprends en même temps, hein, c'est. Par contre, comment je gère ça? Waouh! Inflige un dégât aux invocations qui blessent vos invocations lors d'un combat. Ah, ça, c'est chiant.
Ça, on va pas se mentir, c'est chiant. Par contre, on va faire ça. Je vais pas piocher tout de suite, on va juste faire. Tadadam. Ah non. Vas-y, on va pas jouer. Si, on va jouer. Vous me fatiguez les deux là. J'en ai marre de vous. Je préfère rester dans le déni. Mais je peux pas mettre Discord là-dessus sur mon PC portable parce que sinon ça fait crash le stream. Parce que je suis en ADSL et que je vais bientôt passer à la fibre. J'ai rendez-vous le 27 pour qu'il me l'installe. Ah. Il reste en 1832, vas-y. Putain, mais ils vont me casser les couilles. Bah oui, parce qu'en plus j'aurai mon PC fixe. Donc double écran. Tac tac, beaucoup plus fluide. Mais vous m'avez dit que vous m'entendiez bien, donc je demande pas de micro. Vous avez compris? Complètement dingue. Bon allez, on va continuer là-dessus. J'en ai marre de vous. Alors, on est sur quoi? Qu'est-ce que j'ai pas mis? Religion? On n'est pas dans de la religion. On est dans de l'histoire. Un animal? Bon. On est dans quel thème? Il a été. Putain. Oui, vas-y. Tu vas me dire quoi? Ah, nanana, ton deck, il est trop nul. Putain. C'est chaud, hein? Oh, c'est Harry Potter, ça. Établissement, bâtiment, véhicule, bâtiment. Là, il y a trois lettres. Par, car. Tout est, tout est, tout. Outils. Ah. Non! Pardon. C'est peut-être un petit peu trop bas. Ah, pour vous entendre. Est-ce qu'il m'a parlé lui? Pourquoi il m'a ajouté un ami s'il me parle pas? Il est bizarre. Parce que je suis trop fort. Voilà, tout simplement. Regarde. Mais je suis en draft. Vas-y, je vous parle plus. C'est terminé. Je fais vœu de silence. Jusqu'à mon prochain play. Quoi neuf Scooby-Doo? Ah non, c'est pas ça. Merde, j'ai raté mon vœu de silence. Je suis pas bon, hein. Vous avez pas un truc? Bah, coachez-moi sur mon débouchage de nez. Vous voulez pas me coacher sur le débouchage de nez plutôt? On va détruire un fléau. Tu retournes faire caca? T'as dit quoi? Tu retournes quoi? Je retourne à faire ça? Danser? Mais tu peux pas danser, t'as une jambe de bois. Quoi de Scooby-Doo? Mais c'est incroyable! 4 tours, 2 minutes. Mais vas-y, allez, on y va. On continue. Mais c'est ta tête. Oh là là, il a mis sa tête.
Mais tu serais pas un peu mégalo? Allez. Je suis trop fort. Vous voyez, je suis trop fort. Bon, on reprend ça là. On va pas avancer là. Personne m'aide. C'est fou. Le premier. Il y a toujours un premier quelque part. Bon, il n'y a pas de premier. Faire des fois, ça marche. Ou avec un accent? Non. Il y a quoi comme mot? Il y a quoi comme mot? Il y a peut-être beaucoup de mots, effectivement. Pour le... Il. Qu'est-ce qu'on a? Putain, le truc en deux mots, là, c'est quand même infernal. Je trouve pas le deux mots. Nœud. Putain, c'est pas nœud. Il nœud. C'est quoi avant le nœud? Ce nœud. Oh là là, vous me fatiguez. Par. Putain, ça, c'est un truc en A. L'un. Ah non, j'ai mis ça. Qu'est-ce que ça peut être? Il y a un petit com qui traîne. A été. Science, on n'a pas essayé science. Non. C'est quel thème déjà? C'est fou ça. Ça, le Kamehameha. Ah, il est stylé, hein. Enfin, c'est pas un Kamehameha, mais c'est un. Je sais pas moi, un laser gun. Pas un laser gun, un laser bouche. État, est-ce qu'on n'a pas un état qui traîne? Non. Mais j'ai mis deux, hein. Ah, j'ai mis du, putain, c'est deux. Me dites pas ça, hein. Oh là là. Mais c'est la même chose, bordel. Le nanana de. C'est un théorème. Est-ce qu'il y a un truc avec des mathématiques? Non, s'il n'y avait pas de science, il n'y avait pas de maths. Le. Est-ce que c'est une personne? Non, sinon elle aurait été née, morte, machin. Éteint. Là. Nanana. C'est en gras en plus, hein, c'est bizarre. Éteint. Nanana. Deux. Ouais, c'est chiant. C'est chaud, c'est chaud, hein. Le nanana a été construit. Ah ouais, c'est Ghostbuster. Par le roi. Est-ce qu'il y a un truc avec le pouvoir? Non. Est-ce qu'il y a un truc? Donc c'est masculin. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ces têtes là? Ah, j'ai un match. Mais c'était le temps de ma recherche. Ça c'est. Mais ça c'est qui? Je connais ça. Je connais cette testasse. On joue contre eux, Sacrieur. Bon, on va laisser ça. Là, on est bon, hein. Mais per vous voulez pas m'aider là-dessus, là? Non? C'est trop compliqué pour vous, c'est ça? Putain, la main, elle est lourde, hein. Ça, c'est un zizi qui sort des fesses, c'est pas une carte. Vous me fatiguez. Ah, je le chope direct. Ça, c'est pas mal, ça. Ah oui, c'est pas mal. Vous êtes d'accord avec moi? Je sais pas. C'est pas bête, hein, comme réflexion, finalement. Des fois, on a des bonnes interventions. Mais regarde. T4, ça. Ça sert à rien que je prenne autre chose. On va piocher.
Non, on va pas piocher. On va pas lui faire jouer ici, on va le faire jouer là. Mais regarde, je les ai gardés et puis finalement, on y arrive vite au T6, hein. Comme ça, je vais pouvoir jouer dans la curve. T5, T6. Mais non, pas le... Mais non, mais non. Là, on joue comme ça. Bon, là, évidemment, il a joué une 4-4. Bon, là, je suis un peu baisé. Et non, je suis pas baisé. Parce qu'on curve un T6. Vous avez vu? Hop, on curve le T6 tout de suite. Regarde, hop, et voilà. Et là, ça trade. Mais après, vous n'aviez pas vu les propositions de cartes que j'ai eues. Ah, on aurait pu faire ça, effectivement, ouais. C'est pas bête. Attends, et si je fais ça là-dessus? Ah oui, je l'ai fait piocher en plus. Ah ouais, ah Lecture Man. Lecture Man, une catastrophe. Bon, par contre, lui, il va aller là. L'autre, il va taper. Donc là, ça va trade aussi. Si je fais ça, ça sert à rien. Si, ça, c'est bien ça. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, j'ai hésité à chacha. Ouais, j'aurais peut-être dû chacha, effectivement. Mais si je fais ça, du coup, il est étourdi jusqu'au prochain tour. Ouais. Donc, mais non, c'est même mieux. Parce que là, du coup, il peut pas mettre autre chose. Enfin, il peut mettre autre chose après, quoi. Ah, Lecture Man is back. Hein. Bon, ça, on va jouer ça. Lui, on va le laisser avancer tranquillement. Mais ça, je vais les garder pour d'autres situations, t'inquiète. Lui, il faut que je le joue au plus tôt, lui. Là, par contre, on peut jouer peut-être un truc. Non, ça sert à rien de jouer ça. Attends, quoi? Il joue ça, lui? Ah. Attends. Ouais, ça change rien, quoi. Parce que si là, je le fais là, c'est lui qui va quand même attaquer en premier. Allez, lui, on va le jouer là. De toute façon, lui, il va attaquer en premier. Donc, lui, il sert plus à rien. Ah, pas mal, hein? Bah oui, lui il allait forcément attaquer en premier. Donc lui du coup il meurt. Ah là! Ah merde, c'est là! Putain, je croyais que c'était en face de lui, putain. Mais non, c'est en face de lui. Donc il a chopé un vrai et moi un faux. Mais non, je peux pas tuer Circonflexe plutôt. Ouais, enfin oui. Bah du coup je perds... Ouais. On peut faire un truc comme ça. Je pense qu'on peut faire un truc comme ça. Quoi? Ah. D'accord. Mais du coup ils viennent là? Je vais devoir partir. Je vais devoir partir. Merdasse. Je sais pas ce que je fais là. Bah voilà, je vais devoir partir. Putain, mais il casse les couilles. Parce qu'il y a les parents de Mathilde qui viennent. Mais pourquoi ils viennent, ces cons là? Bon, et eh ben. Putain, puis je vais devoir quitter ça aussi là. Attendez, je vais essayer de négocier. Mais du coup, allez.
reviens dans 5 minutes. Je reviens dans 5 minutes. Attendez, on négocie, on va négocier un peu là. Oh mon Dieu, mais pourquoi ils sont là? Mais ils cassent les couilles, c'est fou ça. Putain. Ah non, et vous me voyez pas là? Ah si, vous me voyez un peu. Peut-être vous avez vu mon caleçon. Allez, je me casse. Putain, ça fait chier ça, la bite. Bon. Vous pouvez pas prendre le coup. Non, bah non. Thank you.
une embuscade. C'est une embuscade, je dois repartir. Putain, qu'est-ce que vous avez mis? Oh non. Oui, bah écoutez, c'était pas prévu, ok? Donc ils nous ont ramené des trucs pour l'apéro, alors je dois prendre l'apéro avec eux. Je vous tiens au courant. Je reviens dans peut-être un quart d'heure, quoi. Allez, salut, je repars.
Me revoilà, me revoici. Stream 24 heures, dont 23 heures absent. Attendez, on revient sur une grosse musique là. Ah bah la playlist est finie. Merde. Non mais là c'est n'importe quoi. Bon, on continue, hein. Du coup, ah bah oui, du coup, défaite évidemment. 13 tours, 11 minutes. On peut pas revoir un replay là? Bon bah du coup tout le monde est parti manger quoi. Ah puis du coup c'est plus le même. Oulou! Merde, c'était quoi du coup celui d'hier? Charbon de bois. Mais non! La fête de la musique. Allez. Bon là je fais un match et après je pense que je repartirai. Bah non mais après faut que j'aille manger. Mais je couperai, puis je relancerai Instaprem, je pense. Non mais c'est n'importe quoi. Hein. Bah ça peut être sympa ça. Je peux vite piocher deux cartes. Non mais après ça va être tranquille. Non mais c'est fou. Attendez, mais du coup j'ai pas lu vos conneries là. Qu'est-ce que vous avez mis là? C'est vrai, se perdre de vue, oublient qu'ils étaient, se perdre dans l'inutilité de leurs actions, de leur quotidien et se perdre aussi dans la société qui oublie et jette. Elle nous a utilisés. Mon Didi, c'est toi, Raphaël? Mais c'était pas prévu, hein. Normalement, j'ai zéro vie sociale. Non, qui vient un dimanche, sans déconner? C'est dingo, hein. Cette douce pluie de défaite. Voilà, ça y est, il est parti dans un délire. Pourquoi il joue pas là? Joue mon gars, je veux souffle. Bon bah je pense que je pourrais même pas l'utiliser. Ils ont raconté leurs vacances, tout ça, tout ça. Ah. On peut faire ça déjà. Hein. Attends, ça fait quoi? Ouais, bah ça c'est bien. Je peux faire ça, je pioche deux. Et je fais ça. Hop, on est pas mal là. Dans ça, lui, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Après, peut-être T6. Non, non, on peut mettre ça. Non, j'ai pas le chasseur. C'est dommage. What? Je connais pas celui-là. Je joue gratuitement. Mais c'est le. Quelle est la différence avec. Ah! Ouais, je sais pas. Eh bah écoute, on va jouer ça. 1, 2, 3, 9. Ah bah non, attends, on va jouer ça aussi. Parce que ça va être chiant là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il aurait pu me faire overdraw des cartes. Ouais. Évidemment, oui, je sais pas pourquoi je lui donne, il va me la redonner. Ça c'est un peu con ce que j'ai fait. PE pour Boubal, c'est un peu de la merde. Hein. Là, c'est la catastrophe. Eh mais Didi, est-ce que c'est un rapport avec lui? La biscotte, pourquoi t'as parlé de Didi? Bon, je suis parti combien de temps en vrai? Tu peux voir les messages là? Ah! Ça aurait été très marrant. Surtout que mon beau-père il est aveugle. Du coup je le fais jouer en mode aveugle, c'est hyper drôle. Ajoute à la première invocation. Oula. Là, je suis toujours malade. Hein. Que des graines allaient en jeu. Et c'est à chaque. Ah, c'est à l'apparition. Ok. Ah, c'est chiant ça. 5-7, c'est fort. Je sais pas jouer ça.
je vais faire un truc comme ça. C'est un peu naze hein, comme play. Putain, une 5-7, c'est fort en draft. Pas facile à gérer une 5-7. Puis je vais pas lui remonter, il va me donner deux. Oh, là-dessus? Ah non. Okay. Là-dessus, ça aurait été infernal. Hein. Je pense que je vais faire ça. Ou ça, peut-être? Non. Ça. Ça. Merde! Quel con! Oh, la reprise, elle est dure. Ah, la reprise est dure là. Merde! Putain! Bah oui, mais Maxime, faut pas être débile à ce point aussi. Allez. Toute façon, je vais aller grail. Donc on le laisse en stand-by. Allez, on va voir notre petit paquet et je reviens cet après-midi. Petite cross-mix, c'est normal, hein, dans un paquet cross-mix, mais... What? Banni les deux dernières cartes parties dans votre défaut, se fait chuter, payer un Dofus. Ah, un seul Dofus. Ouais, c'est pas dingo, non? Bon, on se dit à cet après-midi. Là, je vais aller grail. Et je reviens dans une demi-heure. Non, dans 40 minutes. Une heure. Dans une heure. Et puis on refera cette petite draft. Allez, à tout à l'heure. Bisous.